Regardez bien ces images. TF1 et 30 millions d'amis vous font aujourd'hui un très beau cadeau. Vous allez revoir quelques-unes des plus célèbres pantomimes de Marcel Marceau qu'il n'avait pas présentées à Paris depuis 2 ans. Puis avec émotion et tendresse, il évoquera en famille l'affection pour son chien mort l'année dernière. Marcel Marceau, aujourd'hui nous sommes dans votre propriété, en famille, et j'aimerais que vous évoquiez pour nous votre chien que vous avez enterré l'année dernière. Oui, et puis le temps passe si vite que j'ai du mal à réaliser que c'est déjà l'année dernière. Et c'était un berger à poils longs, il était extraordinaire, très intelligent, il avait un besoin d'amitié et il avait une très grande fidélité, comme beaucoup de bergers d'ailleurs, et il était noble, c'est-à-dire qu'il était doux. Quel âge avait-il ? 13 ans. Il a donc jalonné une grande partie de votre carrière et de votre vie. C'est exact. Je l'ai eu, il avait 3 mois et c'était en 63. Je jouais à ce moment-là au Théâtre de la Renaissance, je me rappelle, et il venait toujours au spectacle, bien entendu dans la loge, pas dans la salle. Et je disais en riant, c'est le moins snob de tous les gens que je connaisse, parce que c'était le seul qui ne savait pas que j'étais Marcel Marceau. Et je veux dire par là, on peut être avec une bête qu'on aime, on peut être un clochard, on peut être n'importe quoi, la bête vous aime. Et il y a cette fidélité inconditionnelle d'amour, et souvent, même que je sois maquillé ou non, il ne voyait pas la différence. Et parfois je me demandais, il me regardait d'une certaine manière quand j'étais maquillé, je me disais, est-ce qu'il sait vraiment que je suis Bip, enfin que j'incarne mon personnage de Pierrot du XXe siècle? Parce que parfois je surprenais un sourire. Il manifestait sa joie, il manifestait parfois sa peine, mais il ne réclamait rien. Et là, vers les derniers moments de sa vie, il réclamait. Il réclamait vraiment les choses et c'était très bouleversant parce que c'était comme un vieil homme qui réclame l'aide des plus jeunes pour le soulager, pour l'aimer surtout. Il avait un immense besoin de tendresse. Et puis un jour, il a eu plusieurs attaques cardiaques et puis un jour, le gardien m'a appelé. Il était dans le couloir des enfants et il m'a dit, madame, venez tout de suite, le chien est mort. Qu'est-ce qu'il vous apportait? Qu'est-ce que ça représentait pour vous, votre chien? Il m'apportait ce qu'il apporte à tous les êtres qui aiment les bêtes, une constance et une grande fidélité. Et il y avait des échanges privilégiés entre vous? Oui, par exemple, il avait une manière extraordinaire de vous donner la patte, comme ça, voilà. Et de vous regarder, et de vous lécher quand il avait envie de vous lécher, de venir vers vous, même quand il gambardait dans le parc, de venir vers vous de temps en temps, dire voilà, je suis là. Et c'était une bête très intelligente parce qu'elle comprenait tout. On peut dire qu'il y a eu un dialogue de mime entre nous. Alors maintenant, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez remplacé votre chien finalement qui est irremplaçable, mais pourquoi avoir choisi des poneys? Premièrement parce que nous avons de l'espace. Alors on peut leur offrir ça, et puis j'aime beaucoup les Shetland. J'ai été frappé des Shetland quand j'étais en Irlande. Je voulais d'abord avoir quelques chevaux, mais les chevaux il faut les monter, c'est le même problème quand on ne monte pas son cheval, c'est pas la peine d'en avoir, c'est pas un décor un cheval. Il faut devenir un compagnon du cheval. Les poneys sont très rustiques. Et comme il y a notre Camille qui les adore. Camille, comment s'appelle-t-il? Tu nous les présentes? Ça, c'est Pony. Ça, c'est Bianca et ça, c'est Mishka. Quel âge ont-ils, Camille? Pour ça, j'en sais rien du tout. Est-ce que dans vos pantomimes, il vous est arrivé de représenter des animaux? J'ai une pantomime qui est lyrique.
qui s'appelle Bip chasse le papillon. Et alors là, c'est une pantomime que j'ai créée il y a très longtemps. Il y avait un rapport entre tous les enfants courent après les papillons et la fragilité des ailes du papillon en relation avec la fragilité de la vie. Alors Bip chasse le papillon et à un moment donné, il tue le papillon par férocité, sans le vouloir, comme un enfant s'amuse avec une cruauté d'enfant parfois. Et le papillon meurt dans sa main et la main palpite comme un cœur. Et c'est à ce moment-là que Bip réalise que le papillon a une vie, que le battement des ailes du papillon est comme le battement d'un cœur.